Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle HVP dans Chouï Paranormal History. Bonjour, aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter est l'un des cas de possession démoniaque les plus connus du monde. Et pour cause, Ed et Lorraine Warren qualifieront eux-mêmes cette affaire comme l'une des plus terrifiantes de leur carrière. La possession de Maurice Thierold. Vers le milieu des années 1980, Ed et Lorraine Warren, les deux célèbres chercheurs du paranormal, durent intervenir sur un des cas de possession les plus terrifiants de leur carrière, celui de Maurice Thierold. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue pour une nouvelle HVP. Maurice Thierold était le fils de fermier francophone d'origine canadienne qui habitait dans le Maine aux États-Unis et son enfance avait été particulièrement douloureuse. De son plus jeune âge, Maurice avait souffert de l'attitude tyrannique de son père qui lui forçait à travailler de longues heures durant à la ferme et qui était devenu de plus en plus violent avec le temps. Le petit garçon, qui n'en pouvait plus, faisait parfois appel à des forces surnaturelles indéterminées, leur demandant innocemment de le délivrer de ce calvaire. Un jour, en rentrant de la grange, il surprit son père en train de se livrer à l'impensable avec un animal. Et quand il remarqua sa présence, l'homme obligea l'enfant à se joindre à lui. En grandissant, Maurice développa des talents tout à fait particuliers. Sa résistance était immense, sa force extraordinaire, et il avait la connaissance de choses qu'il n'avait jamais apprises. Après avoir quitté ses parents, il vécut de petits boulots pendant quelques années, toujours en Nouvelle-Angleterre, puis en 1975, un nouveau drame vint marquer sa vie. Pour une raison inconnue, son père tua sa mère d'une balle dans la tête, avant de mettre fin à ses jours. En 1985, Maurice, alors âgé de 51 ans, habitait le petit village de Waxley, dans le Massachusetts, avec sa femme Nancy, les enfants qu'elle avait eus d'un précédent mariage et leurs propres enfants. Il cultivait des légumes, qu'il revendait ensuite au bord de la route, sur un petit étal. Maurice avait la réputation d'être un homme doux, d'une extrême gentillesse, et il était apprécié de ses voisins qui l'appelaient affectueusement Frenchy en souvenir de ses origines. Mais quand il se retrouvait seul avec sa famille, parfois son regard changeait et brusquement Maurice devenait mauvais. Il expliquait son comportement en disant qu'il était habité par un esprit maléfique qui le poussait à la violence. Puis au cours du printemps 1985, Maurice commença à être victime d'étranges phénomènes. Du sang coulait inexplicablement de ses yeux, d'étranges plaies apparaissaient sur son visage, des croix se dessinaient sur son corps. Son extraordinaire force s'était encore accrue et il semblait maintenant posséder le don d'ubiquité. Un jour, Nancy vit un mardier voler à travers la serre et le frapper si fort qu'il s'en effondra sur le sol. Outre ces manifestations étranges, Maurice se montrait de plus en plus violent. Il menaçait les membres de sa famille, les frappait, crachait, parlant constamment de suicide et de meurtre. Il se considérait probablement comme dangereux, car il avait volontairement renoncé à toutes ses armes à feu et les avait apportées à la police locale. Nancy et ses enfants n'osaient pas se plaindre, car Maurice les avait clairement prévenus. Si l'un d'entre eux s'avisait de parler, alors il les tuerait. Que voulez-vous dire ? À un certain moment, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment ? Pour Nancy, épouse du possédé, 8 années d'enfer ont finalement pris fin par une nuit d'une violence extrême que la petite collectivité rurale de Wakley, dans l'état du Massachusetts, aura peine à oublier. C'est l'histoire d'un exorcisme qui a mal tourné, ou qui s'est retourné contre eux. Nancy Theriault ne s'en remettra peut-être jamais, mais elle a toutefois retrouvé la paix.
Il a dit, tu te souviendras de ça. C'est comme s'il se battait contre quelqu'un. J'étais assise là, le regardant mettre son arme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment fut « Amen ». Il a pointé son arme dans sa direction, puis soudainement, le bon côté de Maurice a pris le dessus. Il l'a regardé, a mis l'arme dans sa bouche et s'est tué. Il aurait pu la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Il est difficile de croire que Nancy, veuve depuis peu, et son ami Ed Warren parlent de cet homme. Le gentil grand-père né de parents canadiens-français, il y a 51 ans, dans l'état du Maine. Il cultivait des légumes sur sa petite terre et dans ses serres et les vendait dans un kiosque au bord de la route, à Watley. Il était un bon voisin que les gens du milieu appelaient affectueusement Frenchy. Mais Frenchy avait deux personnalités. À la maison, en présence de Nancy et de ses enfants nés d'un précédent mariage, ou en présence de ses propres enfants, Frenchy se transformait en diable à tout instant. Il me faisait peur. J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos. Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Voulez-vous que nous arrêtions quelques instants? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Bien que la capacité de Maurice Thériault à devenir violent à tout moment ait été terrifiante pour tous ceux qui l'entouraient, c'est la source de sa violence qui attira Ed et Lorraine Warren chez les Thériault. Il était habité par un esprit maléfique. Peut-être même par plusieurs esprits. Pendant plusieurs années, les Warren ont assisté à des exorcismes et les ont enregistrés. Ils ont été appelés par un prêtre catholique après que Nancy ait demandé de l'aide pour maîtriser les comportements de Maurice. Quel phénomène? Des sons, du sang qui coulait de ses yeux sans cause naturelle, des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Nancy décrivait les années de terreur dont elle n'avait jamais parlé par peur, ni aux policiers, ni aux Warren, lesquels étaient alarmés par les phénomènes inexpliqués entourant les Thériault. Soudain, en me retournant, j'ai vu ce truc voler. Un madrier a traversé la serre et l'a frappé si fort à la tête qu'il est tombé. Nancy Thériault parle des étranges phénomènes qui se répétaient sans cesse. Entre les faits surnaturels évidents, il y avait toujours la violence de Maurice. Il les menaçait, il les frappait, il crachait. Il parlait constamment de suicide et de meurtre. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Parce qu'il nous menaçait sans arrêt. Il nous interdisait de le quitter. Et nous ne l'avons jamais dit aux Warren. Il nous interdisait de parler. Il disait que si les enfants, mes enfants parlaient et essayaient de nous séparer, il en tuerait un ou il arriverait quelque chose à l'un d'eux. Finalement, on a pris une décision. L'évêque Robert McKenna, un ami du prêtre qui avait parlé du cas de Maurice Thériault Warren, a décidé qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. On appelle cela le rituel du démon. C'est le rituel extrême en matière d'exorcisme en ce qui concerne le catholicisme. Il s'est préparé et est allé chez les Thériault. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice, pendant que l'évêque psalmodie pour chasser le démon.
Nancy Theriault assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Theriault semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Il a cligné des yeux trois fois, ce que nous considérons comme une insulte à la Trinité. Il avait les yeux d'un serpent. Tout à coup, ses yeux ont roulé. Sa tête est tombée et il s'est effondré. Il est revenu à lui après quelques minutes. Il a alors demandé à voir Nancy, son épouse. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques, en 1985. Pendant plusieurs années, Maurice Theriault est demeuré lui-même. Tout allait bien. En fait, il n'était plus aussi méchant. Il était plutôt détendu. Il y a environ un an, Ed Warren a reçu un appel inquiétant de Nancy Theriault. Elle a dit, « Ed, je dois te parler. » Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. Il fait des choses étranges et il est menaçant. L'effroyable possession de Maurice tirait à sa fin. D'ici quelques mois, il serait mort. McKenna répétait sans cesse ces mots. Esprit du mal, dis-moi ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la Sainte Vierge, comment es-tu entré dans son corps? On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. L'horrible expression sur son visage avait disparu? Oui. Il était de nouveau l'homme bon que vous aviez toujours connu. C'est ça. Mais l'année dernière, Maurice allait être possédé subitement une dernière fois. Une horrible possession qui allait se terminer par une effusion de sang. Pendant tout l'après-midi, il s'était étendu au sous-sol, attendant le retour de son épouse. Il a bondi par la porte de la cuisine, une arme à la main. Il s'est approché de moi et j'ai empoigné l'arme. Nous avions nos mains sur l'arme, nous nous battions. Il m'a frappé avec la crosse de son arme. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer, l'adrénaline peut-être. Apeuré, Nancy est sorti de la maison pour chercher de l'aide. Il a tiré un coup qui a atteint Nancy au bras. Je me suis rendu au chemin, puis j'ai entendu un autre coup de feu et un bruit. On m'a dit qu'il avait tiré à travers la fenêtre du salon. Maurice est sorti de la maison en courant et a ramené Nancy de force à l'intérieur. Il l'a assise et l'a préparée à subir une dernière torture. Il l'a forcée à assister à son suicide. Il a dit, tu te souviendras de ça. Il s'est assis sur l'autre sofa, devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme ça, comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière. Son corps a reculé et la seule chose que j'ai dite à ce moment a été « Amen ». C'est la seule chose que j'ai dite. Et les seuls mots que j'ai prononcés quand il me frappait étaient « Mon Dieu, mon Dieu ». Il continuait à me frapper sur la tête en disant « Où est mon Dieu ?» Ce sont les seuls mots que j'ai prononcés après m'être bagarré avec lui. « Mon Dieu ». Puis il s'est tué, j'ai dit « Amen ». Je suis sortie et j'ai crié au secours. Je suis allée vers une maison à droite en criant « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». J'ai aperçu mon propriétaire qui habite un peu plus loin. Il me disait « Nancy, ne t'arrête pas de parler ». J'ai commencé à parler de mes petits-enfants.
Je récitais mes prières. La vie des Thériault dans leur petite maison de campagne est tranquille à nouveau. La vie a repris son cours dans la collectivité rurale de Whatley, au Massachusetts. Est-ce qu'il vous arrive de rêver de lui ? Pas une fois je n'ai rêvé à cet homme depuis cette histoire. Je regrette qu'il soit mort. Je veux dire que je ne souhaitais pas sa mort. Je voulais seulement qu'il me laisse tranquille. Je suis heureuse qu'il ne soit plus là. Cette histoire devait se terminer en cette soirée de printemps 1985. Ce souhait accompagnait les prières de toutes les personnes réunies autour de Frenchie, l'homme assis face au groupe. La tête penchée en avant, l'homme semblait souffrir intensément, comme si dans son cauchemar, il combattait un démon intérieur. Esprit impur, qui que tu sois, je t'ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'incantation ne s'adressait pas à l'homme, mais à l'entité possédant son esprit. Je t'exorcise, toi, le plus impur des esprits, toi, l'ennemi du bien et tout est suppôt. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu. Mis à part le policier qui filmait l'étrange rituel, l'assemblée, motivée par la peur, priait maintenant avec ardeur. Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de me dire qui tu es. Les yeux révulsés, le possédé laissa échapper une longue plainte gutturale. Je suis qui je suis. Je suis le seul et unique. C'était la voix du plus vieil ennemi de l'humanité, la voix du mal en personne. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Il est le premier-né de Imelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Sainte-Agathe au Québec. Le jeune Maurice n'a pas encore 10 ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis. Ses années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit travailler de longues heures au champ pour aider son père. Il travaillait sur la ferme avec son père, dans le Maine. Il y était obligé, c'était son devoir. Il a quitté l'école en troisième année. Il travaillait à la ferme et s'occupait des tâches ménagères et de ses frères et sœurs. Maurice was a normal kid to a certain extent. Jusqu'à un certain point, Maurice était un enfant normal jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Mais un jour, il a été témoin d'un événement dans la grange. Il a vu son père se livrant à un acte de bestialité. Son père s'est mis à le détester à cause de cela et l'a forcé à l'imiter. Et puis il l'a forcé à faire la même chose. À Fort Kent, les abus de Maxime Thériault, et en particulier à l'endroit de son jeune fils Maurice, sont notoires. Comme dans bien des cas d'abus, la communauté préfère fermer les yeux. Sans aucun soutien, le gamin, laissé à son triste sort, ne peut que rêver du jour où il pourra s'affranchir de son père brutal. Un après-midi, en revenant de l'école, après avoir été battu par son père pour la énième fois, le jeune Maurice s'écrie « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de travailler pour toi. » Et pour le diable, il va travailler. À 21 ans, le jour même de sa majorité, il quitte le foyer familial sans prévenir personne. Maurice prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il tombe amoureux de Patricia Ann O'Brien. Hélas, l'union ne dure pas. Oui, avant son mariage, alors qu'il était encore très jeune, nous n'avons pas été en mesure de documenter ses comportements bizarres. Parfois,
Maurice entre dans des transes qui le métamorphosent. Il devient violent. Et à au moins deux occasions, des événements surnaturels inexplicables accompagnent ses crises. Un jour, le crucifix placé au-dessus de son lit se met à saigner. Au moins à une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à deux endroits différents en même temps. Des incidents très étranges se sont produits, comme la bilocation, cette faculté d'être à deux endroits à la fois. La bilocation peut être possible soit par l'intervention du divin, comme dans le cas de Padre Pio qui a vécu à notre époque, soit par le malin, comme dans le cas de Maurice. Ces phénomènes effraient Patricia, qui préfère le divorce à cette menace. Maurice est de nouveau livré à lui-même. Peu après, il fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Cette nouvelle union dans la vie de Maurice Thériault, surnommée Frenchie à cause de son accent, ne durera pas non plus. Maurice était un homme bon lorsque Maurice était Maurice. Par contre, lorsqu'il était sous cette influence diabolique, il faisait preuve de pouvoir très étrange. Quasi illettré, Maurice va de petit boulot en petit boulot. Mais ce n'est pas autant la pauvreté qui ruine son existence que ces étranges événements qui se multiplient dans son quotidien. Ses absences sont fréquentes. Maurice perd alors tout contact avec la réalité. Il devient quelqu'un d'autre. Ça a commencé par des petites choses. Petit à petit, j'ai remarqué des comportements bizarres. Même s'il n'avait complété qu'une troisième année à l'école, il a commencé à s'exprimer dans une langue inconnue. Ce n'était pas du français. Maurice could speak in Latin. Même s'il n'avait pas beaucoup d'éducation, Maurice pouvait s'exprimer parfaitement en latin. Rares sont les gens qui peuvent parler une langue morte, et encore moins faire référence à des citations religieuses très précises. Lors d'une balade en voiture en compagnie de Tina, Maurice est subitement pris d'un malaise trouble. En proie à une crise sévère, il lâche tout. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un conduisait la voiture. Les tentatives désespérées de Tina pour sortir son mari de sa torpeur demeurent vaines. Tina a la conviction qu'une entité invisible a pris le contrôle de la voiture et qu'elle veut les tuer. Craignant pour la vie de ses jeunes enfants et pour sa propre sécurité, elle met un terme à leur vie commune. Après une longue période de solitude, à la fin des années 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. Avec elle, il a l'impression que cette fois, les choses peuvent vraiment changer. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qu'il a tant détesté, abat de sang-froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui-même. Mes grands-parents étaient allés en vacances en Oklahoma. Ma mère m'a appelé à l'école pour m'annoncer que grand-papa avait abattu grand-maman d'une balle dans la tête et qu'il s'était suicidé. Il s'est tiré. L'assassinat de sa mère et le suicide de son père ne font qu'ajouter aux troubles de Frenchie. Les étranges crises dont il souffre s'accentuent. Plus les mois passent, plus Nancy est inquiète pour la sécurité de Maurice et pour la sienne.
Inquiet lui-même de ses comportements anormaux, mon père s'est rendu à la police, où on lui a dit qu'il était fou. La situation a empiré, il s'est résolu à consulter un prêtre. Le prêtre Homer Boyer nous a contactés de Warren, au Massachusetts. Il nous a raconté que des événements très étranges entouraient la famille d'un fermier, un Canadien français de sa paroisse. Il s'agissait d'un homme d'un certain âge, environ 70 ans, avec beaucoup d'expérience. Il n'était pas du genre à céder facilement à la panique ou à l'exagération. C'était un homme gentil, pieux et dévoué. Il m'a dit qu'il priait à l'occasion avec la famille, mais qu'il sentait une présence malsaine et hostile. Il a demandé notre aide. Dès la première visite, ils nous ont parlé de la lévitation d'objets, des écritures sur le dos de Maurice, qui ressemblaient à des incisions au scalpel, et le sang imprégné sur son t-shirt, qui disparaissait aussitôt qu'il l'enlevait. J'ai été très impressionné par cette première rencontre. Et peut-être à cause de ma profession de policier, très sceptique aussi. On dit que l'un des premiers symptômes de la possession est l'expression d'une force décuplée. Il pouvait soulever une statue de 200 kilos. Il possédait une statue de béton très lourde qu'il avait récupérée dans un cimetière. C'était une statue de Sainte Thérèse, je crois. Elle tenait des roses, mais les fleurs étaient brisées, et c'est pourquoi on l'avait écartée. Quoi qu'il en soit, Maurice, lorsqu'il faisait appel à cette entité qui le possédait, pouvait la soulever uniquement avec le bout de ses doigts. C'était incroyable. Malgré ma stature d'1m90 et mes 100 kilos, et à l'époque j'étais en excellente forme, je n'arrivais à la déplacer que de peine et de misère. Ils écoutent son récit et prennent note des étranges événements qui, depuis 30 ans, stigmatisent sa vie. Avant d'affirmer qu'il y a possession démoniaque, nous devons la documenter. Notre parole ne suffit pas. Nous avons fait admettre Maurice dans une institution psychiatrique du Massachusetts pendant 30 jours. Où il a été évalué par des médecins. Nous pouvons prouver sans l'ombre d'un doute à qui que ce soit, qu'on parle de la police, des médecins, des prêtres ou de la famille, qu'il s'agissait bel et bien d'une possession diabolique. Lors d'une rencontre avec les médecins, tous étaient d'avis qu'aucune pathologie ne pouvait expliquer les phénomènes bizarres autour de Maurice. Pour eux, il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une, sinon de plusieurs entités diaboliques. Nancy, Maurice, Ed, moi-même et le père Homer Boyer avons rencontré l'évêque Timothy Harrington. Il a été tellement ému par la situation désespérée de cet homme qu'il l'a serré dans ses bras et lui a dit « Je vais t'aider, mon fils ». C'est ce jour-là qu'a eu lieu le premier exorcisme. Le dimanche suivant, Maurice et Nancy se sont rendus à l'église. Au moment d'arriver en haut de l'escalier, Maurice a fait une culbute dans les airs
et s'est retrouvé en bas sans une égratignure. C'est là que nous avons décidé de faire un deuxième exorcisme. Un troisième exorcisme a eu lieu le 2 mai 1985. Of 1985. Le groupe des gens en prière est réuni autour de Frenchy dans la modeste demeure de Warren au Massachusetts. Il y a là un prêtre, le père McKenna, deux démonologues, Lauren Warren et son mari Ed, le policier qui filmera la séance et quelques témoins. Tous participent à ce troisième exorcisme. Après le rituel, Maurice Thériault reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps, les Warren vont maintenir le contact avec lui, juste pour s'assurer que tout va pour le mieux, sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. Celle de Maurice Thériault sera brutale. En novembre 1992, 7 ans après l'exorcisme du père McKenna, Maurice Thériault sombre dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et s'impose à son esprit fragile. Au soir du 4 novembre, il appelle l'une de ses filles, Melinda, et lui demande pardon. Il m'a rendu visite. Suite à une querelle, Nancy avait obtenu un mandat contre lui, qui l'obligeait à se tenir loin d'elle. Il m'a demandé de prendre un dernier verre. J'ai refusé, car je ne bois pas. Il était bizarre. Ce n'était pas un homme affectueux, mais ce jour-là, il l'était. Plus tard, j'ai fait part de mes craintes à ma sœur, Maureen. Je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à la ferme pour éviter... Je ne savais trop quoi. J'avais l'impression de voir deux individus. Mon père avait toujours dit que sa vie se terminerait comme celle de ses parents. Il avait bien organisé son coup. Je savais que Nancy était au bingo ce soir-là. Et je voulais lui laisser une note. Nous sommes donc partis en camion. Je voulais prouver à ma sœur que mon père était là, malgré l'ordre de cour. Nous sommes arrivés à la maison. Il n'y avait pas de voiture. Nous sommes entrés et avons écrit la note. Soudain, j'ai entendu un bruit au sous-sol. Je savais que ce n'était pas le chien. J'ai ouvert la porte et mon père m'a braqué un fusil au visage. Il croyait que j'étais Nancy. Il m'a dit de me calmer. J'ai voulu appeler le 911, mais il avait déjà coupé la ligne du téléphone. Son camion était stationné à 1,5 km derrière la maison, hors de vue. Je lui ai demandé de s'asseoir sur le divan et de se calmer. Je priais pour que Nancy n'arrive pas à ce moment-là. Il s'est excusé d'avoir été un père absent et m'a expliqué les raisons qui le poussaient à agir de la sorte. J'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas la solution. Tout à coup, Nancy est arrivée. Il était enragé. Il s'est levé et dès qu'elle est entrée, il l'a braquée et lui disant qu'il voulait lui parler. Mais elle a refusé et insistait pour qu'il parte. Il lui a alors tiré dans le bras et l'a traîné dans la maison. J'essayais de l'aider, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Puis s'est tourné vers Nancy et lui a dit « Regarde-moi ». Et rappelle-toi bien ceci. Il m'a demandé pardon et m'a répété qu'il m'aimait. Il a alors placé le canon dans sa bouche et a tiré. Il m'a laissé avec beaucoup de questions et beaucoup de cicatrices.
certaines familles sont marquées par la fatalité. Comme si, de génération en génération, un mauvais sort s'acharnait sur ses membres sans que personne ne puisse y trouver la moindre explication rationnelle. Aveuglément, la malédiction frappe autant l'innocent que le coupable. Certains avancent que le diable préférerait ravir à Dieu les âmes les plus pures. Cette pureté de sentiment animait peut-être le jeune Maurice dans les premières années de sa vie. Maurice Thériault était mon père. C'était un fermier venu du Canada. Il a vécu une situation difficile. Voilà comment se termine cet HVP. Si cet HVP vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez été jusqu'au bout, en commentaire, marquez Satan. Parce que oui, Maurice a bel et bien été possédé par Satan. Je vous dis à très vite pour une nouvelle HVP. À vendredi prochain, 18h30. Tchuss !